Il y a longtemps, j'avais fabriqué une sagaie que je la vends sur le Croco du Rizou. Le lien est dans la description. Et là, je te montre comment je l'ai faite en fabriquant une autre. I'm Louis. I make some white happens to have fun. En tout premier, j'ai mené un rail de chantier. Ensuite, j'ai dessiné la pointe de lance. Puis, je l'ai meulé. J'ai fait un petit tronçon, comme ça, par la suite, ça sera plus facile à forger. J'ai récupéré un bout de foyard dans la forêt que j'ai scié des deux côtés pour que ça soit plat. Par la suite, j'ai enlevé les nœuds avec un tomahawk que j'ai moi-même fabriqué et que tu peux acheter sur le site de Croco du Rizou. J'ai mis la pointe de lance dans un poêle à bois qui était allumé depuis longtemps. Une fois qu'elle était bien rouge, je la sortais et la frappais pour en quelque sorte la forger. Ensuite, j'ai poncé la pointe de lance pour donner un petit tronchon, puis je l'ai mise au feu pour donner la couleur noire. J'ai fait un trou dans le foyard. J'ai chauffé le bout de la lance, puis mis dans le trou et tout de suite ressorti deux fois. La sagaie que tu vas voir, c'est celle que j'ai fait il y a longtemps. Tu peux l'acheter sur le Croco du Rizou. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and out.